Ok, shalom peuple de Dieu, shalom libotan nzambe. Vous allez m'excuser pour la voix. Mungu ezama malam penzate, mais on va quand même faire un effort. Yako pesabino ba nouvelle otozanango lelo na katya kaptanga. Abino ndeko Jose Boloa. Shalom na libotan nzambe, banan nzambe, ba homme de Dieu, ba pasteur, ba prophète. Libotan nzambe, nous sommes besoin d'un bisou à travers le monde entier. Toi les susu na katya na betando na bino. Petito solo la mamuke. Tozi libaku yako yamba manal homme de Dieu. Voilà, Katia, sorti Riva Awa, Nakombo, ya pasteur Doudou, Oyo Toko Solane, Mamouke. Shalom, l'homme de Dieu. Shalom. Shalom, papa. Ça va? Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce, hein? Non, non, ça va. Je souhaite toujours bien. Que Dieu soit béni. Merci pour notre paix, ça soit privilège. Yako Yamba Bisso, Nakatina, Tempelo, Nayo Lelo, na Mokola Lelo. Merci vraiment. Le plaisir est partagé. Voilà. Merci aussi de votre côté, on va penser à nous. Voilà. On a sanitaire, hein? Ça m'a bien. Ah! Il me dit qu'il y a un masque. Mais sinon, tout ça a peu bon. L'homme de Dieu, ça fait peut-être un bout de temps, vous en avez un bout de temps. Mais peut-être que vous avez un Congo dialogue. Vous avez un peu de temps. 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 Vous avez Merci pour la question. Naza pasteur Doudou Moudingi, okay. Marié et père de beaucoup d'enfants. Tata ma beauté belle. Naza pasteur responsable y a église Mejay, Faithful City, la Cape Town sur 448 Albert Road, Sotiri. Ça fait combien de temps au Moussalo vous allez implanter en Akatia Cape Town? Ça fait 6 ans. Ah, ok. Depuis que nous avons à Salibisson Walou, il y a aux affaires ça. Ah, ok. Non, ça. Et commencer l'œuvre. Oui, 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 oui. Bon, bien sûr, pour implanter Moussalo en Cape Town, 6e année en gros. Mais quand il y a Soumassia, Moussala voyage, Soumassia, ça fait quand même beaucoup d'années. Hein? Beaucoup d'années. Hein? Moi, parcours Mouké, quoi, moi, brief. Briefing est mouké, soumassé au Kotana Ndeni, na Congo, en Afrique du Sud, et puis les loyo, Robin Amaro, la Moussa Nandam. Parcours, excusez, j'ai. Oui, oui, non, non, ça va. Parcours, Eza Moulaï, en fait, n'a s'engagé dans ma Nanzela Nzam. Je suis né d'abord dans une famille chrétienne. Ok. Et ma mère est Aza servante, na église, il y a. Bima, la nouvelle alliance. Okay. À l'époque, j'avais Bima, c'est comme cela, peut-être nous sommes grandis et mon père, c'est un chrétien engagé. Okay. Mais personnellement, je suis engagé dans Nzelanzambe en 1997. Okay. C'est en, depuis 1997 que je suis engagé dans l'œuvre du Seigneur et tant qu'intercesseur. Comme dans notre temps, le Seigneur nous avait fait grâce et à la engagé fidèle pour ne pas reculer. C'est comme ça qu'on a beaucoup évolué facilement dans Ève. L'église où le Seigneur m'avait amené pour que Nakola na Mamanzambe, c'est la communauté Mejek. Okay. La cité fidèle, na Kinshasa, sur quartier Baoumou. Et mon père, dans la foi, c'est le pasteur Riquin Mayemba. Okay. Il est en vie jusqu'à aujourd'hui. Il est en vie. Okay. Et nous avons évolué dans la communauté jusqu'à ce qu'il est Tomati, modérateur, prédicateur. Et en 2006, je suis venu ici en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, j'avais un aîné qui m'a reçu, qui m'a encore encadré. C'est le pasteur Tommy Ilunga. Okay. L'église Temple de l'Esprit. Temple de l'Esprit. Pasteur Tommy, à toi, et je salue. C'est avec le pasteur Tommy depuis 2006 que j'ai commencé à œuvrer tant que junior pasteur. Okay. On a évolué jusqu'en 2013. C'est à 2013 que le Seigneur m'a conduit de commencer une œuvre. Et à partir de cela, jusqu'à aujourd'hui. On est là, on évolue avec la Mejek Faithful City.
Wow, je crois que ça pourrait être peut-être pour la première fois pour les uns, surtout les Keptoniennes. Mais bah quand même un parcours oyo. Il y a moins d'hommes ça en Abissopo. Boye baba obo mona rabakele malibosso. Ils ont quand même un parcours. Yango tant aux hommes en Moussa en Nzambe, azo telema, azo te asan malamu. Comment on est les présenter? Il a quand même une histoire, un parcours avec le Seigneur, surtout avec le ministère ici. Batalara à présent. Ah, parce que zoom matin m'a habité que moi parcours mon koboé. Non moi mon coup c'est parce que je pense que l'œuvre de Dieu est moins difficile, est moins pété. Allah la la mon maman. Na banda œuvre, na banda église. Et puis sans encadrement, sans ordination, sans peut-être appel, sans vision, directement à Bandi, à Bibona banda pekaka. Mais yo na moi par parcours na yo la difficulté ni bien sûr dans le cadre ministériel. Dans le cadre ministériel, ce que je peux d'abord dire que si tu n'es pas appelé par Dieu, voilà. Ça sera un peu très compliqué. L'œuvre de Dieu dans le ministère n'est pas facile. Okay. C'est juste la grâce de Dieu quand Dieu nous appelle. Il y a une portion de capacité que le Seigneur nous donne pour assumer certaines charges, certaines responsabilités. Mais bâtir l'œuvre dans le ministère, bâtir une église, ce n'est pas quelque chose de facile. Moi, j'ai toujours donné conseil, même aux enfants qui sont avec moi, que quand vous voyez un pasteur appelé par Dieu conduire une église de 2, 3 personnes, 5 personnes, pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, il faut les féliciter. Il faut vraiment les féliciter parce qu'il y a trop de sacrifices pour l'œuvre dans le ministère. Surtout quand on est pasteur titulaire, il y a trop de responsabilités, il y a trop de sacrifices qu'on fait spirituellement, financièrement, matériellement. Il y a une lourde charge. Alors, comme moi personnellement, s'il faut parler de certaines difficultés rencontrées dans l'œuvre, elles ont tellement belé, difficultés et belé, que je ne saurais pas tout mentionner. Mais ce que je peux dire seulement, que ce n'est pas facile. Mais parce que le Seigneur appelle et c'est lui qui nous aide à surmonter toutes ces étapes ou ces difficultés. C'est ce que je peux dire. Voilà, je suis avec le pasteur Doudou de l'église Meshek, il y a Wanakati à Cape Town, spécialement dans le quartier de Bengisot Riva. Il y a un autre Solanae. Prenons tout ça dans mon briefing sur sa présentation, qui il est, comment il a commencé l'œuvre ici. C'est quand même important pour nous tenir tout Solanae. Voilà, s'il y a des questions à poser par rapport à l'œuvre à Moussa Nzambe, on a besoin d'un petit écran. Je crois que pasteur Meshek, tu n'es pasteur Doudou, tu n'es pas vraiment ce que tu as Cape Town à présenter. Donc ça, là, juste un briefing pour nous répéter que nous avons besoin de l'Ibanda et l'Afrique du Sud. Et parmi tant d'autres artistes, il y a un artiste de Belé pour nous faire fier de la musique entre autres, la Sœur Toubé. Tant d'autres cambabatos, peut-être, comme vous avez mené l'Ibanda, et nous saluons, nous reconnaissons l'œuvre de la Katia musique. Je suis en musique chrétienne en tant que papa, que vous avez des soeurs, des serviteurs, musique, un message au travers de la musique, vous vous sentez comment? D'abord, c'est une fierté. C'est une fierté et une grâce d'avoir ce genre d'enfants qui font vraiment un bon travail. Vous savez, on ne peut pas tout faire. C'est comme Jétro dit à Moïse que pour assumer ma responsabilité, sinon tu seras épuisé et tu vas épuiser les peuples. Donc il faut départager les responsabilités. Ça, c'est vrai. C'est entre autres comme il y a des gens qui servent le Seigneur dans la musique, c'est comme dans il y a Mama Tudé que vous connaissez, bien, que le Seigneur l'a bénisse là où elle est, je la salue. Elles font le travail de chanter. Moi, je suis en train de prêcher, faire autre chose. C'est-à-dire, chacun de nous a une part de responsabilité ou une pierre de construction à ajouter pour l'œuvre du Seigneur. Avoir des enfants qui servent le Seigneur dans la musique ou dans la modération, dans les protocoles, c'est une grâce. Et puis, c'est une fierté aussi de les avoir.
Avant de passer na maboko ya lelo to mama na likambo par rapport ya pandémie o ezole ka na mboka na biso lelo, comment bozo faire face na yango? C'est vrai que na moi 6 ans on a ministère, vous avez connu quand même des secousses, hein? Nous sommes peut-être au bandage na bango, au bandit musala après un moment ou à dunia kei. Comment vous vous maîtrisez en tant que l'homme de Dieu? Ben nous sommes peut-être papa na na bimaka na kende na zala donc peut-être votre biso bakal surtout terme na biso noir tout le monde bakal bakal. Comment vous gérez la pression de mon na banozo kambaba? Ça c'est une question trop très capitale sur ma pression. Maintenant, je me réimpose à trop précis. Oui. Parce que dans le départ, dans l'église, il y a des fidèles, il y a des serviteurs présents. C'est quoi la question? Il y a des fidèles, des serviteurs. Hein? Parce que ça, c'est peut-être un pasteur a une pression dans le corps. Que des serviteurs encadrés, après qu'on coache à un moment donné, disparition mon carabon sans peut-être annoncer. Je suis peut-être bon pour la banque, je n'ai pas la banque, je suis bon pour 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 la banque, je suis bon. Le premier volet à ce qui concerne les fidèles d'abord, ce que nous devons savoir, que l'église ne peut pas contenir tout le monde. Okay. On ne peut pas garder tout le monde. Si Bisson a sorti dans la Mégère pour gagner 50 âmes, il y a beaucoup de pasteurs qui font aussi un bon travail. On a gagné 10 âmes, on a gagné 100. Et ça pour l'intérêt royaume. Ouais. Donc, tous les peuples royaux. Maintenant, départ à Bandimi, je pense que ce n'est pas. Si un fidèle a se sentir que la croissance spirituelle n'est là où Azali, et sa positivité. Il peut s'engager là où il est sûr que sa vie chrétienne est au col. Mais ce qui est un problème seulement que bah départ en haut, que il faut et ça la makatan que ban anzam. Mutu a zo s'engager dans une autre église a yebi ba raison. Oh yé moka kende. Ce tolobito qui est à côté à ba serviteur, c'est là où peut-être je peux donner un conseil. Okay. Vous voyez pour que quand vous êtes venu dans une église, il y a les pasteurs que tu as trouvés à 8 ans, il y a quoi encadrer, il y a quoi enseigner, et puis il y a quoi présenter comme un serviteur. Ouais. Alors il y a des principes à respecter. S'il faut, au monique, voilà. Quelque part, c'est qu'il faut avoir une raison. Ouais. Et cette raison-là, tu dois respecter aussi certains principes. Parce que moi qui n'arrive pas à principe, ne sont formés par rebelles. Voilà. Il y a des gens qui quittent leurs églises tant que serviteurs, mais avec un conflit. Il va aller commencer une œuvre quelque part. Voilà. C'est à ce genre de personnes que je peux conseiller qu'il faut les faire, même si c'est Dieu qui t'a appelé. Même si c'est Dieu. Je peux vous donner un exemple. Quand moi je vous ai donné mon histoire, j'ai servi avec mon pasteur, le pasteur Tommy. Mais quand il était temps pour moi que le Seigneur m'appelait pour aller commencer une œuvre, je suis allé voir mon pasteur, que le Seigneur m'appelait, je vais commencer une autre œuvre. Voilà. Priez pour moi. Il a prié pour moi. Et puis, je suis parti. Et jusqu'à aujourd'hui, la famille est restée. Il reste mon pasteur. Quand j'ai besoin d'un conseil, il faut appeler. Je n'ai pas appelé, vous voyez. Donc, c'est comme ça que j'évolue parce que je ne suis pas rebelle. Mais bah au bas au bima na conflit. Atiki pasteur n'est na conflit. Abimi par nervosité. Voilà. Et pour aller plus loin, abimi a zupe église a divisé. A divisé les sous. A kepena ba membre musus. Alors ce n'est pas ce n'est pas un bon comportement. Alors il faut, même si le Seigneur vous a appelé, mais il faut respecter les principes. Ça serait une très bonne chose. Ça serait une très bonne chose, sœur ami, enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Je crois que c'est pas au hasard tu m'as mis un peu l'isolant au boyé. Parce que Dieu sait, pendant le lockdown, pendant le confinement, je ne suis pas après qu'à confirmer si je n'ai pas de nangaï. Donc, il n'y a pas de nangaï, tout ça. Donc, ce sont des choses au travers de cette émission.
le Seigneur par le Saint-Esprit qui a interpellé aux serviteurs. Zonga na obomu, zonga moto, telema zonga moto, ne bakinwa baloba. Ok, l'homme de Dieu. Mm-hmm. Confinement, c'est presque 2 mois et demi. Mm-hmm. Boyo, ba église, evandi, rassemblement, bien sûr, na kata église, net ozabo, izala ki lisu soute. Ce n'est que depuis un mois, on est au moni, gouvernement fongole libiso. Mm-hmm. En tant que pasteur, comment ozo bandeko gérer confinement? Oza nandakou, Mosikana Moussana Nzambe, Mosikana ba peuple Nzambe pesibu. Comment vous avez géré ça d'abord sur le plan ministériel en tant que Moussana Nzambe? Oui, c'est vrai que pendant ces 2 mois, il y a confinement et le confinement continue. Oui. Que ba église est qui fermée, toi pour dire tu bandai ko sambe la clé. Mais je pense que eza ba bâtiment des qui fermé. OK. Mais le ministère n'était pas fermé. OK. L'église aussi en soi n'était pas fermé. Ok. Donc ce sont des bâtiments des acquis au Kangama. Ok. Alors c'est ce qui nous avait poussé à continuer à servir. Ok. Malgré le confinement, on a eu à créer des groupes WhatsApp de l'église. Ok. Alors on avait un groupe WhatsApp francophone et un groupe WhatsApp anglophone. Ok. Et dans les groupes, on faisait le même service. Et on a même allé, nous sommes allés même plus loin que ça. Donc, ceux qui sont les aires au fond, on a tous un culte à mardi, mercredi, vendredi, dimanche. Mais pendant le confinement, donc on a un culte à mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et puis dimanche. Alors, dans la façon dont on a évolué, la même structure, tous les aires, on a un culte. C'était la même structure au même qui dans le groupe WhatsApp. Alors, tu as un programme à modération. On classait tous les modérateurs. Les différents modérateurs, chacun de nous. C'est intéressant ça. Avec un journal modéré. Okay. Et puis, tu as classé ma prédicateur. Alors, même les prédicateurs, vous devez préparer la prédication, pas en fonction à WhatsApp, mais en fonction à culte. Ok. Donc, on a temps au prier, aux messages. Donc, vous avez votre temps de nous donner les thèmes, exploiter messages nayo, et les gens sont là, en train de suivre les enseignements. Wow. Et dès qu'on finit les enseignements, on a le temps de prier aussi un peu, et puis tu peux aussi communiquer nabiso. Et comme ça, on a évolué. Ok. Ouais. Wow, c'est intéressant. Donc, c'est ce qui nous a aidé à garder un peu l'église. Malgré le suivi physique qu'elles allaient quitter, mais dis-moi, il y avait quand même la participation des membres à répondre, tout ça, à WhatsApp, que vous sentez quand même. Oui, il y avait la participation des membres, le suivi physique qu'elles allaient quitter, mais on avait des suivis téléphoniques. Parce que. On avait mis en place une équipe, il y a des serviteurs. Chaque lundi, quand on a réunion, on donne les rapports de la semaine. Okay. C'est-à-dire, chaque serviteur avait quelques noms des membres de l'église. C'est comme ça qu'on répartissait. Okay. Si tu as 10 serviteurs, chaque serviteur a eu peut-être 10 membres, 8 membres. Ah, ça l'a suivi. A Robin Abango, suivi téléphonique. Okay. Il va commencer à les appeler. On amène ça les samedis dans le groupe et puis on a le temps de prier pour eux. Alors, sous la présence physique, on a organisé quoi faire pour se déplacer physiquement pour Kotala. Kawan. Donc, réaction vulgaire dans le quartier, dans la balle, même dans les réseaux sociaux. Ah, ce que l'église me prend des kangami. Autrement dit, c'est comme si nous sommes pastoral et comme il voit moi carrière, moi, le monde pense que c'est de la mina qui est la Kanango. Le roi va bâtir Kangami. Sur le plan financier, social, comment vous pouvez pour survivre, tout vivre dans la minute? C'est une question où batuna ngomingi. Je pense qu'il est toyo kaka. Oui, oui. Mais je peux répondre juste un peu. Oui. Dans ma connaissance et puis une petite expérience. Les hommes de Dieu
bavivakana panier église. Okay. Ça, c'est d'abord, les gens doivent comprendre. Non, ça, c'est important. Je ne sais pas ceux qui... Les gens vont passer à vivre en un panier, mais en tout cas, je peux dire ouvertement que les hommes de Dieu ne vivent pas dans les paniers. C'est-à-dire que l'église, panier à l'église, ils répondent au fonctionnement à l'église. Ils ont ça à comme d'autres personnes le pensent. Oui. Parce oui, que ça oui. devient un problème aujourd'hui. Bah fidèle moussous, bazo mon assoi, topé s'offrant, toi enrichi, pasteur. Non, les pasteurs ne deviennent jamais riches par les offrandes. Moins aussi par des paniers au yara na baïvis. Oui, ça c'est vrai. La Bible dit que vous me servirez et je vous bénirai. Nous sommes des engagés de Dieu. Donc, c'est-à-dire, les seigneurs nous paye parce que tous les serviteurs naïe. Donc tous autres dépendre dans Nzambe et le Seigneur nous paye d'une manière ou d'une autre, malgré que dans beaucoup des églises aussi il y a une organisation. Ils peuvent admettre une organisation et ça pasteur à salarié, il y a d'autres églises qui sont comme ça. Oui, oui. Mais les pasteurs d'une manière générale ne vivent pas des paniers. Okay. Maintenant, pendant le confinement, Oyo, s'il faut répondre de moi, voilà. Pas peut-être n'habite ne va pas fonctionner. C'est comme je vous ai dit que moi je suis engagé de Dieu. Hein? Dédé, on est pasteur, mais on est intellectuel. On a une façon de fonctionner. Voilà. La vie. Ok. On ne peut pas être une charge de l'Église. Voilà. On a une façon de fonctionner dans la vie. Parce que c'est pas, il y a des pasteurs qui sont médecins, il y a des pasteurs qui sont avocats, il y a des pasteurs qui sont ingénieurs, il y a des pasteurs qui peuvent avoir certains business qu'ils font. Ouais. Et ce que même les pasteurs reçoivent, c'est plus même. Non, ce qu'ils reçoivent, c'est pour soutenir même l'Église. Je peux dire quelque chose. Je sais que il y a des hommes de Dieu aînés et expérimentés que nous, pour contredire Ngaté. Le pasteur doit être le premier partenaire de son ministère. Non, ça c'est vrai. Tu dois être le premier partenaire de ton ministère. Il y a des fois, tes 10 dollars ne peuvent aussi pas même acheter les pains pour les enfants, mais peuvent acheter les micros pour l'église. Alors, ça, l'option de dire que l'église est quand même va passer, va vivre nini. Je pense que si vous avez un pasteur, vous avez un pasteur qui va classe, qui va vivre, malgré le confinement, où il n'y a pas même les offrandes. C'est pour dire qu'ils ne dépendent pas de ça. Donc, bateau basé dans la conception, là, peut-être, ils sont dans l'erreur. Peut-être, c'est aussi un vent démoniaque qui empêche les gens de comprendre les choses de Dieu d'une autre manière. Les hommes de Dieu, le peuple de Dieu, je suis avec le pasteur Doudou Amejeka, on a quatre sorties, on a Cape Town, on a tout solennel par rapport à confinement, surtout en Afrique du Sud, comme on a troisième niveau. Nous prions que toi qui t'appelles dans le deuxième pays, vieux on a normal de façon que mesure basé libiso, un mètre pour tchaba masque et tout ça. Et si la défaçon que l'activité en saison, là, ce qui est vrai, est bouger quand même l'économie, il y a un beau cas. Et puis déranger, il y a monde Mobimba. Et puis déranger peut-être entrée, il y a un bon, il y a un bateau côté finance, il y a un peu dans Nzambe. Peut-être misalisate, c'est Nzambe Bélé, ainsi que Nzambe Bélé, il connaître un peu moins la difficulté socio-économique, la minute pendant la période de confinement. L'homme de Dieu, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Moi, ba message je suis dans le groupe ça et là. Et puis, tout le monde a pris un témoignage vivant, ba ndeko mingi, ba zoti kabiso. La plupart des membres, deux ou trois matins, personnellement, a participé. A remarqué que ba tout ba zo lela. Biso ba congolais, tout le monde, dans le sens que, moutabé la qui penza ma casse, moi, ba malaise, moutou passi, a oga, moi, ba hôpital les ali, na koma kuna, na koma boue, tout le monde a bande ko ba zo zongate. Comme exemple, je crois que c'était avant-hier. Il y a un couple, Bazan affiché Kukuna, pour ne pas qu'au temps à Bakombo. Moi, si je suis allé à l'hôpital, je suis allé retenir, je suis allé à madame, je suis allé à l'hôpital. Madame, je suis allé à côté, avant de faire un taxi, je suis allé à
que non non yaka mobile no akufi pas même 15 minutes tant azunga koti wali maintenant tous en ba na ngaskote akufi ba passer certificat COVID. Alors on a compris que on commence à réaliser que batbazo koufe belé surtout biso na niveau à communauté congolaise malade koute za na COVID te me balobi ka koufi na ngona habité par rapport à koka ba nouvelle na parce que yo lokola mokambi non seulement ban bandi mamejek ozo kambape vous avez quand même dans moi l'iloba par rapport à la communauté congolaise, dans les trucs que vous faites, sans pour autant être à la confirmer que ça malade aux autres dérangés monde entier. Je pense que par rapport à cette question, les abaka ou abatu bazo kufa, je crois que naba hôpitaux bazo kende, il y a toujours une fiche remplie, il y a suivi sur le cas de la personne. Alors, quand une personne a qu'un hôpital, va consulter, va salir l'examen à Enyonso, et jusqu'à la fin, résultat hôpital est fait ça. Je pense que moi, je ne peux pas les contredire. Okay. Donc, nous devons croire dans le résultat Oyo, hôpital est fait ça. Alors, ce que l'hôpital va conclure que c'est COVID, nous ne pouvons pas donner un autre résultat parce que. On a consulté, c'est l'hôpital qui a consulté. Tu dois croire dans le résultat. Oui, oui. Seulement, ce qu'on peut donner comme un conseil à Zali, la communauté congolaise, c'est vrai que COVID-19 est Zali. Ouais. C'est réel. Okay. Alors, les mêmes disciplines que Batbazaï qui n'ont autant de confinement et bandits, précisément la Cape Town, je conseille à tout le monde de garder les mêmes disciplines même après le confinement. Parce qu'il y a des gens qui refusent maintenant la port des masques, il y a des gens qui refusent les sanitizers, il y a des gens qui ne respectent pas les instructions sanitaires. Il croit sanitaires. Que non, non, la vie, malade à l'okuta. C'est comme j'ai dit que le résultat est plutôt épais ça. Moi, personnellement, je ne peux pas les contredire parce que j'ai examiné tout. Mais je conseille seulement aux gens de respecter les instructions pour les aller mises en place on a pour éviter sur la pandémie à coronavirus. Zala n'a pas à masque na yo, zala na sanitize na yo, éviter de se serrer la main, garder la distance. Et ça pour l'intérêt de tout le monde. Oui, oui, oui. Alors même yo pe moni ne quoi garder distance na yo, ko traiter ma bête et ça. Voilà. C'est comme oye, moni. Oui, oui. Il n'a obligé que micro à la biso, voilà, on peut pas voilà. S'échanger de micro, touché sanitize. Yo posons ma bête pour toujours enseigner. Bien sûr, bien sûr. De même yo poso travailler sur ça. Non, donc ça, c'est un conseil, la communauté congolaise respectant les instructions sanitaires. Et comme les d'autres personnes babaka mutumwi na kufa na microbe, il faut enlever ce langage là, c'est pas bon. Ouais. Non, et ça, c'est un mauvais langage, ce n'est pas aussi scientifique. C'est pas scientifique. Voilà, cher enfant de Dieu, Bande Kwa Congo Dialogue, maman Francine Ngeme de la Belgique, la grande dame, merci. Je suis avec le pasteur Doudou. Je crois que Minga Kolobe Lezali, mais je crois que Mami Kolezali Koya, peut-être biblique et puis ministériel. Mais je crois que nous avons quand même une communauté qui se documente, qui écoute aussi, quoi là dans l'information, aïebi quand même qu'il faut tout respecter. Tous dans la carte église, à sauter les mêmes débats disposés, bah quitter, donc bah respecter bah mesures barrières. Oyo, le gouvernement sud-africain Télébiso, bien au peu bas les bandes d'Afrique du Sud, je crois que Bolanda Yango, bah bas à peine à Porto, Paris, Belgique, c'est vrai que Macron lobby confirmé Sili, na Belgique peut balobi Sili, mais et puis qui s'habille sauter, respecter les mesures barrières, tu mets ça dans la kina. Parce que tu es belé, tu es un belé l'homme de Dieu, tu es malade. L'homme de Dieu est un bon épisode aussi. Le Seigneur, si vous avez un mot de la fin, il y a quoi pour les téléspectateurs, les gens qui ont besoin d'un biseau, les serviteurs qui ont besoin d'un biseau. Peut-être que vous avez un mot de confinement, deux mois, à l'embi, fatigue à mi-tout, non, nous avons un biseau pour nous, pourquoi promettre le confinement?
Nazar sur la zèle, on a insulté au sel en disant que Lucasus, que ça l'a pas suivi, que bon de la tout ça, croit que confirmer les assouka mokili. Et puis mon dimi moka zolanda biso, abiso ginzam bazalaka. Pour n'y avoir permettre que videya, tala mobile n'anga zoni musala, tala n'anga mona perdre musala n'ayez pas son revivre en demi. J'aimerais que, oh, pèse à moi, peut-être un mot d'encouragement à un de comment zolanda biso la minute. Merci beaucoup. Comme mot d'encouragement, n'a pas eu que le Vézali. Tant il y a confinement, il y a hasard. Je pense que tout confinement, il y a un objectif. C'est comme tout ça confiné, l'objectif c'est pour protéger le peuple contre la pandémie, il y a corona. Mais tout ça, on a un angle spirituel. Dans l'angle spirituel, le confinement aussi, il y a un objectif. Si je vais un peu aller dans le psaume 103, verset 5, Bible et Dieu nous rajeunit comme l'aigle. Donc, en d'autres termes, vous savez, l'aigle a deux vies. La première vie de l'aigle est autorisée à vivre 40 ans. Mais deuxième vie n'est pas à l'aigle. Alors, la première vie, si l'aigle vieillit, son bec devient courbé, ses ongles courbés, ses ailes deviennent épaisses. Il vieillit, mais ce n'est pas la fin de sa vie. Il y a une deuxième opportunité, il peut vivre encore. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit monter sur la montagne rocailleuse à qui qu'on s'est confiné. Pendant 150 jours, on s'est dépouillé dans la nature à Kala. Donc, c'est comme ça la science parle sur le renouvellement de l'aigle. Étant Azongisika, a commis encore très puissant à vivre pendant 30 ans encore. Donc c'est pour dire que tant que des enfants de Dieu, tant qu'il y a confinement, je pense que le Seigneur l'a permis pour que tout enfant de Dieu a au moyen de se déplier. Dans l'ancienne nature, notre ancienne manière de vivre, dans l'ancienne nature, t'es dépouillé de tes péchés, t'es dépouillé dans mensonges, t'es dépouillé dans vol, dans tout ce qui t'est séparé de Dieu, afin que quand tu vas sortir, il y a confinement, aux ala réellement une nouvelle personne. Bah mon hôte avant confinement, après confinement, et que tu demeures la même personne, on change t'es. Vous avez qui mutasongi songi avant, après confinement, tu demeures mutasongi songi. Donc le Seigneur a permis pour que chacun de nous apprenne conscience, à se dépouiller de son ancienne nature du péché et à la revêtue la nouvelle nature qui est une nature divine, là où on parle de la nouvelle naissance, c'est un enseignement, mais c'est juste qu'après confinement, nous devons être des nouvelles personnes, autres refléter réellement l'image de Christ, et le Seigneur nous bénira. Merci. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Ma pasteur a fait simplement un peu. Il y a un problème peut-être. Non, je salue tous les enfants de Dieu et nous bénissons le Seigneur pour, voilà, pour ce temps. Merci beaucoup. Vraiment, c'était un réel plaisir de partager le plateau avec vous, l'homme de Dieu. Et c'est un privilège pour nous. Il y a un yambama, un motomonene, un zambé à tomboli, un kati na mboko na ngolo, un zambé à pesio. Et puis, la responsabilité est un zambé à pesio. Vraiment, merci pour nous. Opportunité au Facebook. Merci aussi pour vos pensées Naviso. Ah, ok. Voilà, chers abonnés à Congo Dialogue, nous sommes à la fin de notre entretien avec l'homme de Dieu, le pasteur Doudou. Tolinga Yoto Sololanae, Boye Baye, Sokazanani, Vision, Ezanana, Utawa, Pabanda, Pikazo, Kende Place Nini. Et puis, en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, Azo Kambamili, Mouebele, et Sengale Kine, quand même, après, ça peut quand même, moi, concerne Biso Bandini. Potoye ba quand même que maladie ezali, pandémie ezali, et puis période oyo ekole kanango, mais ce qui peut le qui pour garder toujours moi ba mesi barrière oyo mboka tcheri biso de façon que to perdre ba tout mon côté avant l'âge, n'est-ce pas? Parce que ba Bible zo tout na pourquoi mouriez-vous avant votre âge? Donc ça donc soit ba détail mike mike biso moto négligé après comme yo ba démon et comme yo ba famille. Avant que nous puissions dire ça, respectons ba mesi barrière, port ya masque na yo, tambana sanitaise na yo, n'est-ce pas? Et puis ceux qui m'ont malé, les alliés, tant que pena bien, au prier, tu crois à la guérison. Et puis ceux qui sont un peu moins, un moment, Congo, bololo, banane, bah citron, bah bleu, quoi, na tout, to garder paix, bah santé, na biso quand même bien, de façon que tous à la victime, il y a pandémie au été. Sinon, c'est un réel plaisir aux anges, l'homme de Dieu. S'il y a d'autres questions, la suggestion, monsieur, sur la niveau, dans la petite écran. Jusqu'à un prochain numéro, Nzambe, abattez la Congolais, n'y en sortez mon kilimobimba. Contre la pandémie auto-coutane à numéro 1 sur ce site. Bye.